Ah, continue la quête, faut que j'aille là-dedans. Alors, attends, j'aurais bien aimé choper. Non, il n'y a pas de, il n'y a pas moyen de choper le... Ça, c'est un vaisseau. On va continuer, on va aller là-bas. Alors du coup, il veut que j'aille là-dedans. Qui est arrivé. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Attention, sortie de l'hyperespace. Non, sympa pour le moment. Ça fait tout seul ou faut que je fasse un truc à un moment? Parfait. C'est bien assisté. Hein. C'est pas moi qui rock du pilotage. Hein. Très bien. Mais on comprend rien de ce qu'il dit. Prendre l'antimatière. Bah, c'est un peu ça, disons. Je ne sais pas l'avantage qui sont Nada et Polo, mais je peux maintenant les situer. Je soupçonne fort de devoir choisir entre les trouver ou suivre cet atlas. Il manque 55 tanium de plus pour fabriquer la cellule. Alors, est-ce que genre il y a du tanium en vente là ou pas? Oui, 25 par exemplaire. Acheter 1 pour 25 unités. Et il m'en faut. Pourquoi je peux en acheter 34 maximum? Parce que 10 ça fait 200. Bah non. Ah, il n'y en a que 34. Mais il m'en faut plus que 34, c'est nul. Il m'en faut 55, je crois. Ok, il m'a donné de l'antimatière. Oui, j'ai vu. C'est en scénarium. C'est en scénarium. Joli gun. Linzagdado. Non, Linzadgado. Linzadgado. Laser, projectile, grenade, scanner. 48 600. Mais j'ai pas la thune. Ouais, l'étanium, c'est les cailloux de l'espace. Ça, j'ai bien compris. Pillons la maison des gens, c'est important. Il me refile du carbone. Bon, ça doit être tout fermé, tout pareil. Alors, il nous faut du tamium. Bon, il n'y a rien indiqué. On va aller dans l'espace. Ok, parfait. Genre c'est du nickel. Ah bah non, ça va être cela le tamium. Voilà. Donc il nous faut une cellule de distorsion. Hop. Poum. Poum. Ok, c'est good. Donc logiquement on a fini. Activer l'hyperpropulsion, ouvrir la carte galactique en appuyant sur M. Ok, parfait. On est dans Glukalendor, hein, avec des planètes. Glukalendor Kel 1500. Et donc tab scan de découverte. On peut aller à Ifofergutake. D'accord, ok, ça me comprendre. Là, je peux aller vers le bas.
qui m'emmène ici, trop éloigné. Donc je peux aller qu'ici dans un premier temps de toute façon. Ok. Comment pourrait-on traduire jeu en français? Personne dans le ciel avouait que c'est mieux. C'est ça. Salut Otoy Tommy. À toi qui croyais être un PGM de l'atterrissage sur les plateformes avant de comprendre que c'était assisté. Ah, pas mal ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Oui, non mais n'avions plus que je m'en doute. Salut Zenette. Ok, alors par contre... On a une planète à nommer, mais ça on le fera à la fin. On a des points de passage, ça aussi ça peut se renommer et envoyer. Ok, on a plein de choses à renommer. On a trois plantes, trois points de passage et une planète. Alors la planète c'est Sub-Only comme je l'avais dit, mais je vais rouvrir... alors attention, c'est parti. Gloomman Sky, point d'exclamation Gloomman Sky, si vous voulez avoir votre nom dans le jeu, à vie, à tout jamais, vous allez être immortalisé dans Gloomman Sky quand même, il faut le dire. Il faut taper point d'exclamation Gloomman Sky, c'est parti, c'est lancé, je réaffiche, hop, il est là. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. Hop, petit timer de 2 minutes, c'est parfait. Et je vais remettre une petite musique à côté. T'es pas obligé de le renommer. Non, mais je vais le faire, parce que j'aime bien. Tout simplement. Il est déjà minuit 43, mais j'ai pas vu le temps passer. Mais cette soirée a filé à la vitesse de la lumière. Moi, j'aime bien le jeu. Je passe un bon moment. Bon, peut-être que je joue encore 3 heures et je fais exactement la même chose, peut-être que je trouverais ça un peu chiant. Mais pour l'instant, vu que je joue très doucement, vu que je suis en live, parce que je prends le temps de papoter avec vous, tout ça, enfin, moi j'aime bien jouer comme ça, j'ai passé une très bonne soirée dessus. Allez, 102 personnes, 103 personnes veulent leur nom immortalisé dans le jeu. Non, personne ne verra passer ce message, Redson. Ah, Gloomman Sky avec un point d'exclamation à la fin. C'est pas ça. Presque. 55 secondes. 115 personnes. C'est long, 2 minutes, en fait. Un ciel sans mètres me plairait plus comme traduction. Ah, 100 mètres, mais c'est pas la notion de mètre. No Man's Sky. Le ciel... Non, c'est pas facile. No Man's Sky. No Man's Sky. Comment on pourrait le traduire? Est-ce que c'est l'appartenance, ça appartient, le ciel qui n'appartient à personne, ou alors le ciel de personne? Comment on peut dire? Oui, je devrais mettre des minutes de publicité pendant le tirage. Oh, j'avoue, c'est tellement bien. Il faut que je fasse des tirages de 3 minutes avec de la publicité. Oh là là, je manque à tous mes devoirs. Allez, c'est fini. 129 personnes, attention. Le premier. Winner. Ah, je sais, mince, c'est pas ça. Je sais comment on va faire, nouvelle règle. Déjà, j'attends que la personne me dise un petit mot avant de valider. C'est vrai que je le faisais avant et j'avais oublié. Si c'est un sub, vous gagnez la planète. Donc le premier sub lors du tirage au sort gagnera la planète. Ça m'évite de tirer 50 000 personnes et de frustrer des gens derrière. Donc voilà, je fais draw winner. Si personne répond, je refais draw winner derrière, vous perdez votre tour. Donc il faut répondre à un petit truc si vous voyez que c'est vous qui gagnez. Je vous laisse quelques secondes non plus, parce que je sais qu'il y a du décalage, tout ça. Donc voilà, j'ai coupé le son du jeu. Hop, allez, c'est parti. Draw winner, MGF Storm. MGF Storm, est-ce que tu es là? Es-tu là, MGF Storm? Dis-nous tout, tu as gagné ton nom dans le jeu. C'est magnifique. Le glow MGF Storm. Est-ce que tu es là? Et en plus, c'est un sub. Donc voilà, la planète, elle est déjà partie au premier tirage au sort. Voilà, GG. Hop. Alors, Glue. M. G. F. Storm. Alors, comme je disais, je... Attends, normalement, c'est... Ouais, mais après, on s'en sort plus, quoi. Ok, on va faire ça. Alors, je mets obligatoirement la première lettre en majuscule. Et là, je vais mettre MGF et le S majuscule. Ok. Et imparfait 1, number 1, qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec une nouvelle planète qui s'appelle Glue MGF Storm. Voilà, j'ai pas fait de bêtises. MGF Storm et un dindon de Zemond qui nous dit c'est plutôt un ciel sans homme. Ouais, c'est ça.
Un ciel sans homme. Oui, un ciel sans homme, c'est très bien, un ciel sans homme. Je sais pas pourquoi on cherche midi à 14h, alors qu'il est 13h. Voilà. Ok. C'est truqué, nous dirait Tsan, exactement. Bon, j'ai pas fait de bêtises. MGF Stone, Stone. C'est bon, on est bon. On est bon. Voilà, la nouvelle planète. Et le mot d'imparfait. Tous les dindons sont imparfaits, mais c'est les imperfections qui nous rendent si uniques. Eh bien, c'est Tremble. Tremble qu'il va donc devoir se tatouer sur la fesse, bien évidemment. Et donc, Tremble, pourquoi trembler devant la communauté des dindons? Ils sont très gentils, mais faut pas les faire chier quand même. Hein. Parce que voilà, là où les dindons passent, eh ben, l'herbe, elle repousse pas parce qu'il y a toujours de l'herbe. Parce qu'on va pas niquer l'herbe, hein, faut faire attention. Voilà, voilà. Faut faire attention à l'environnement. Des bisous et bim. Voilà. Ok. Ok, ok. Tremble, c'est classe, Tremble. Et on passe donc à 803. Ok, allez, on continue. Draw winner, Emerald. Emerald avec un H et un 3. Qui donc gagne un pilier. Allez, Glue. Emerald. On est bon? H3. Ah non, je dois attendre. Je dois attendre. Es-tu là? Es-tu là, Emerald? Emerald. Tramerald. Es-tu là? Es-tu là? Tu as gagné. Crie ta joie. Sinon, ce sera la joie de quelqu'un d'autre. Coucou, merci, depuis le début, c'est mon troisième mois que je m'abonne, mais c'est pas d'affilée. Ah, d'accord, parfait. Ok, ok. Ok, ok. Faut éditer un livre avec tes dindons citations. Non, c'est mieux de les oublier. Je pense que c'est important. Je pense que c'est très, très important. Ah là là, Emerald. Emerald. Elle est chiante, ma règle, en fait. Moi, je pense que les gens qui sont rentrés dans le tirage au sort, s'il faut attendre à chaque fois qu'ils disent quelque chose. Le seul problème, c'est que je sais pas quand c'est des subs ou pas, parce que je connais pas le nom des 800 personnes qui subent. Enfin, je connais les noms, je les ai déjà vus. Mais le truc, c'est que je sais pas si la personne est juste dans la communauté ou est sub. Ah là là, que faire? Que faire? Bon, allez, j'accepte directement parce qu'on en a pour 20 ans sinon. Allez-y, vous acceptez. Voilà, allez, on continue. On continue. Allez, draw winner. Riotech, GG à toi, Riotech. Tu es maintenant un superbe plancton. Ou un... Non, un Kuplum Baxarekoe. Baxarekoe. Moi, j'aime bien. Kuplum Baxarekoe. Je trouve ça très, très classe comme plante. Kuplum, moi, mais Baxarekoe. Voilà, ça, c'est classe. Alors, qui devient le glue? Riotech. Ok. Glouriotech, R-I-O-T-O-C-K, voilà, qui dit rien non plus, hein, voilà, et si on n'est pas sub, mais si t'es pas sub, tu gagnes quand même, c'est juste les planètes pour les subs, c'est pas important, c'est juste pour les planètes, les subs, hop, allez, le Glouriotech, c'est bon, youpi, je suis une sorte de cactus, ah bah voilà, parfait, dans la ville, il y a des cactus, je me pique de le savoir, voilà, aïe, 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 Matawo, ah non, Matawo, il suit pas la chaîne, là, par contre, Matawo, ça va pas être possible, ça. Qui nous dit oh yeah, mais il follow pas la chaîne. Tu le vois le petit pouce rouge sur comment ça s'appelle sur Glougloubot. Voilà, pile quand j'arrive. Bah oui, mais tu arrives. Mais je sais pas, moi. Hein. Y a un pouce rouge. Hein. Les pouces rouges, ça marque, à mon avis, ils peuvent pas gagner. Hein. Je sais pas. Parce que du coup, hein, les noms, c'est plutôt du latin ou du grec. Mais laisse-moi avec mes définitions si j'ai envie que ce soit pas du latin ou du grec. Tu me laisses, ça vient des pays de l'Est, d'Afrique. Voilà. C'est la première fois que je tombe sur ta chaîne. Non mais voilà. Mais voilà, c'est ça. Le truc, c'est que c'est pour les membres de la Glouglou. Est-ce que je peux mettre Glou Matawo? C'est ça la vraie question. Voilà, c'est ça la vraie question. Allez, Glou Matawo. Lui et tous Matawo qui suit pas la chaîne, c'est ça. Lance Riotech sur Crane Live en criant réflexe. C'est bon, je l'ai rattrapé. Allez, Glou Matawo. Tu seras immortalisé sur No Man's Sky. Laisse à quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, mais on s'en fout. T'as le nom d'une plante dans le jeu. En vrai, voilà. C'est pas grave. Accepte ton destin. Tu es une plante magnifique. Voilà, Glou Matawo. Allez, Zou, c'est parti. Ensuite, on a des endroits. Le Pampa Téniqué. Téniqué Pampa. Voilà, très très important, c'est qui le Pampa Téniqué? C'est, attention, c'est Flagboy88 qui suit la chaîne depuis le 31 janvier 2016, lui, hein, voilà. Allez, on renomme,
Flag Boy. Donc c'est le glue. Flak. Alors par contre, Flag Boy, est-ce qu'il y a des majuscules quelque part ou pas? Déjà, F obligatoirement majuscule pour qu'on marque. Là, ouf, je sais plus écrire. Bon allez les gens, bonne Ukraine, bonne chance pour la suite du jeu. Si t'as pas le plan de la nuit matière, ça va être chaud pour toi. J'avoue. Ah là là. Il fait ça depuis quand? Je fais quoi depuis quand? Encore perdu, mais oui. Ah, c'est bon. Cool, il n'y a pas de majuscule. Donc, Flak Boy 88. C'est parfait, accepté. Ok, ensuite. Le Valtaïr, qui est-ce? Attention. Nouveau gagnant, Skogen 91, qui gagne donc le Valtaïr, qui devient le Glue Skogen 91. Alors, Glue Skogen 91, c'est parti. Accepté, bien évidemment. Attends, j'ai complètement oublié de dépenser mon énergie sur le jeu, moi. C'est la tristesse. Ah, 37 sur 38, attends, je dépense mon énergie là, c'est important. C'est important, chambre des cristaux, machin chose. On prend le premier Billy qui passe, là, très bien. On lance et on fait le combat en auto. Et c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Oh yeah, nous dit Skogern. Oh yeah, de yeah. Et il nous reste un dernier endroit qui est le val de Gupura. Gupura. Qui donc va renommer le val de Gupura. Crane, tu as réparé les PC? Non, ils sont pas réparés. J'en ai 3 chez LDLC, mais il y en a un qui est définitivement mort de toute façon. Les deux autres, c'est des PC neufs. Il y en a un pour le bureau et l'autre, c'est pour le salon. Et celui-là, c'est mon vieux PC, mais j'ai formaté, j'ai réinstallé. Pour l'instant, ça tient le coup. Tu joues à Isaac encore? Non, pas en ce moment, en tout cas. Alors, le Val de Gupura. Gupura, c'est qui? C'est Shayu. Shayu, es-tu dans le coin? Tu suis le stream depuis le 26 mai 2014 2014, oh mon dieu! Mais ça fait depuis tellement longtemps! Ça fait depuis tellement longtemps, Chayeux! Ah là là! Le jeu est bien, bon, il est rigolo pour le moment. J'ai quasiment rien fait sur le jeu, hein, mais il est rigolo. Il est rigolo. Alors, Chayeux, tu es où? Où es-tu? Où est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux? Ah voilà, une petite danse! Une petite danse de Chayeux qui aurait pu gagner la planète, malheureusement. Je suis désolé, tu n'auras que le Val 2. J'ai déjà oublié le nom. Gupura, qui va donc devenir le Val de Glushayu. Voilà. Allez, hop. C'est bon, on est bon. Allez, accepté. Ah puis ça fait des sous. Tu me rapportes de l'argent, c'est fabuleux. Désolé, j'ai une code mère. J'ai au moins 30 ou 40 secondes de décalage. C'est pas grave. Ok. Bon courage pour la suite, je t'envoie mon énergie. Merci Shiro. Crane, tu penses tenter de compléter la faune des planètes? J'en sais rien. Pour l'instant, je me balade. Mais apparemment, j'ai loupé l'antimatière et c'est pas bien. Alors attends. Il est où le... Qu'est-ce que j'ai fait de D-Boat? Ah, il est là. Ok. Bon, par contre, il est 1h du matin. Ça va être l'heure de vous abandonner. Le Globobot est hacké ou quoi? Je dois gagner? Bah oui, Bob Studio, mais pourquoi tu n'as pas gagné? C'est de la tricherie! Oh mon dieu! Découverte mise à jour, 6500 unités reçues. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, on peut appuyer sur M. Et je vais pouvoir aller... Je vais pouvoir aller là-bas. Alors, hop, voilà. Et donc, je fais comment? F, ajouter un point de passage. Ok. Ifofergutake. Nous arrivons à Ifofergutake. Ou pas. Localisation actuelle. Activé. Ok, ah mince, il n'y a plus le son du jeu. Vite. Attends, il faut mettre le en pause ici. Voilà. Étape de voyage atteinte. Ça pique les yeux. C'est très très shiny. Activer le voyage galactique accompli. Mm-hmm. Système Ifugergutake. Il faut faire. Et donc, on a plusieurs endroits à visiter apparemment. Allons là-bas. Nous on y va super vite. Et ouais, on a peur de rien. Tiens, vas-y, moi je fonce sur la station.
Et bim, la station. Et bim, la station qui te fait rentrer en automatique. Ah ouais, non, mais voilà. Mais voilà, ça fait tout seul, hein. Vas-y, je le lâche, le jeu. Joue tout seul, joue sans moi, hein. Voilà, voilà. Oui, bah vas-y. Vas-y, le jeu. Avec mon œil à moitié fermé, hein. Voilà. Passons à la vitesse lumière, tu vois, c'est ça. Ok, donc on est arrivé là. Ce qui est absolument génial. J'ai envie de monter par là, moi. Attends, on va attendre que ça se recharge, parce que ça, je pense que c'est une idée à la con. Yes, yes, yes. C'est bon, ça passe, large. Facile, easy. Je le savais, il y a de la glou-corruption à ton glou-glou-bot. Exactement. Dispositif. Bouclier au maximum. C'est un autre dispositif, ça? Pas du tout. Incongruité. Estime actuelle l'incongruité. Parlons de l'incongruité. Voilà. On ne parle pas assez d'incongruité. Donner un silicate peu commun ou donner un silicate commun. Allez, moi je suis d'humeur extrêmement généreuse. Oh non! Vacille sous le coup de la déception. Oh, il est triste. Il a appris le mot. J'ai appris le mot rare. Vas-y, prends mon carbone. Toujours incongruité. Gotola nudzlov jli union doskozla. Arins vekeno ukurian lash meken kostali musk vograts uzlovj. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il y a un truc qui s'est ouvert quelque part. C'est quoi ce bruit? Il y a un truc qui s'ouvre, je sais pas où. C'est quoi ça? D'accord, étape de voyage atteinte. Parfait. C'est un jeu PS2. Bah bien évidemment, ça se voit au graphisme que c'est un jeu PS2. Bien évidemment. Terminal du marché. Attends, c'est quoi ce bruit? Ça m'en fout. Ça m'en fout, faut que je sache ce que c'est. Ah, c'est ce truc là! C'est la lumière! Ah, ça m'en fout. Maintenant, tu peux réclamer ton vaisseau. D'accord. Mais je me balade avant. Avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec moi dans mes aventures. Plus on est de fous, moins la vie est dure. Je sais plus. Voilà, voilà. Ok. On veut toujours pas. Il est mon vaisseau. Et bah. Aïe! Aïe! C'est pas ça. Option. Activer le contenu supplémentaire. Vaisseau Horizon Omega. Comparer. Alors. X. 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 Et tout le reste aux if. Et voilà notre nouveau vaisseau. Ouais, le prix n'est pas négligeable. Hein. Je sais pas du tout au niveau de la durée de vie par contre. Hein. Même s'il y a soi-disant beaucoup de contenu à faire, beaucoup de contenu répétitif pas très intéressant, ce serait embêtant. Pour l'instant, moi j'aime bien. Hein. Donc là, de base, j'aurais pas vu plus du jeu, je m'arrêterais là, je me dirais, oh c'est super sympa. Mais j'ai pas encore, je pense, il faudrait que je joue encore au moins une ou deux soirées dessus pour me faire une idée. Donc on verra, peut-être que j'en referai en live. Pour l'instant, je m'amuse bien. Hop, attendez, je vais récupérer mes rewards sur la tablette. 2 mégalithes jaunes. Magnifique, magnifique. Accueil. Voilà, j'ai maxé. Je suis en retard, mais fight de Colisée.
Voilà, c'est maxé, je perds des points à cause de vous. Est-ce que vous êtes fier de vous? Voilà, à cause de vous, j'avance pas comme je voudrais sur Final Fantasy Brave Exvius. Voilà, hein. Allez, fight en auto. C'est très bien les fights en auto. Non, les soucis de PC sont malheureusement pas encore réglés. Non plus, je peux lui tirer dessus. Il est où? Attends, je veux pas rentrer. Je veux pas rentrer, je veux pas rentrer. Calme-toi. Calme-toi. Alors, faut que je fasse c'est mon découvert. Installation, production détectée. Elle est où? Il est très belle musique par contre. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un gros vaisseau ou je sais pas quoi quand je suis arrivé. Genre un truc où tu peux te poser. J'y arrivais. On peut pas. On peut pas. Non, non, on peut pas. On peut pas se cogner contre le truc. J'aurais essayé. Arrivé 2h, installation de production. Ok. Là, il n'y a plus rien dedans. Ok, donc là, on n'a plus rien. Il va falloir faire gaffe. Ah oui, mais on a plus rien. Je suis con, il y en a pas. Tu en penses quoi du jeu? Pour le moment, j'aime bien. À faire le plein. Vous croyez qu'on peut le détruire, le gros, là? Ah, c'est du cuivre. Salut Galorfin. On va farmer un petit peu de tamium pour pas être de nouveau en cours. Vous avez vu, on peut vraiment... Il y a de la marge avant de remplir. Là, fais voir. T'as l'air de kiffer ce petit No Man's Sky. Je me suis bien amusé dessus moi pour le moment. Mais parce que c'est marrant de découvrir des trucs avec vous, tout ça. Peut-être tout seul, je serais moins dans l'éclat, mais avec vous c'est cool. Encore du nickel. Les gros ça peut être de tout, d'accord, très bien. T'as fini? D'accord. Bah, moi je vais arrêter aussi. Ok. Comment je fais pour sauvegarder le jeu là, ma progression? Est-ce que je dois faire quelque chose de particulier ou ça va garder tout ce que j'ai fait? Gameplay émergent, t'as vu ça? Non, j'avoue que c'est très basique sinon. Au niveau du gameplay, pour le moment, c'est très très basique. Mais j'ai l'impression, c'est vrai que ça fait cette impression qu'ils ont amené les jeux mobiles, enfin les jeux mobiles, c'est pas vraiment des jeux mobiles, mais type jeux mobiles, genre Omega, mince, comment il s'appelle? Je sais plus. Mais j'ai l'impression que c'est avec un gameplay plus abouti, pas gameplay, on va dire, une interface plus aboutie, je sais pas. Sauvegarde, faut que ce soit sur une planète et sauvegarde sur un abri. Ok. Je peux pas sauvegarder dans la station là? Ça marche pour les Geek Ferries, Pandaman. Ouais, dans la station je peux sauvegarder, non? Ça touche pas ça? Ah, apparemment, ça touche pas. Oh là, on m'a tiré dessus, oh!
On dirait un pilote de X-Wing, ouais. Ok, alors c'est où la suite? C'est là-bas. Hop, Caesar. Feather. Waouh, je vais aller sur la planète, comme ça on va découvrir un nouvel endroit. secondes. Ça, le problème de jeu, c'est que ça fait vraiment tout seul, quoi. À part appuyer sur un bouton pour envoyer un petit laser et me déplacer, niveau gameplay, c'est quand même assez pauvre. Mais il est très agréable. Sinon, il est très agréable. Pour l'instant, j'ai l'impression, oh, je vois un point. Clique sur le point. Rends-toi tout seul au point. Oh, un endroit où se poser. Clique sur le truc. Clique sur ok, ça se pose tout seul. Oh, un truc à ramasser. Lance ton rayon. Voilà. C'est un peu ce dont j'ai l'impression pour le moment, mais il n'empêche que je passe un très bon moment, donc bon. Et voilà, là on arrive, ça fait tout seul. Non mais il y avait trop de hype autour du jeu. Faut pas sortir des jeux avec une telle hype, tu peux être que déçu. Par contre, j'y suis pas. Il est où le truc? Oh, c'est juste là-bas. Oh non, c'est chiant. Alors, il est possible. Il est possible qu'on ait un petit souci avec le vaisseau. Il est possible. Voilà. Ah, c'est fini. Nous avons crashé le vaisseau à l'atterrissage. Il est à tout jamais enlisé dans le sol. Bon, les petits problèmes de collision, on va pas leur en vouloir. Ça, on va se balader juste un tout petit peu. Ah d'accord. Et Jean-Basile qui rejoint la Gnou Family sur une animation buggée. C'était jamais arrivé. Merci beaucoup Jean-Basile, des bisous à toi et bim. Et bim le sub, bienvenue à toi dans cette famille de dindons pleine de... Avec des yeux pleins de, ton mot à toi, ce sera quoi? Attention, le dernier mot probablement. Avec un... Toi, ton mot à toi, c'est le A accent. A accent. Qu'est-ce que tu veux? A accent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec A accent? Je peux rien faire avec A accent. Là, je pense qu'on est bien. Juste à côté. Ah, le pays fait tout seul. Hein. Vas-y. Ok. On est posé. Ça, c'est quoi ça? Oula, oula. Point de restauration enregistré. Une puce de piratage. Donc, ça se fait, les puces de piratage. Alors, puce de piratage. Exo-combinaison. Fabriquer. Hop, puce de piratage. Voilà. Ok. Ok, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était probablement génial. C'est-à-dire que je peux me balader. Ah, j'aurais pu appeler mon vaisseau. Ça servait à ça. Ah, une balise, je vais pouvoir sauvegarder. Pour les 2 heures que j'ai passées sur ce jeu, je dois dire qu'il est très bien, même s'il aurait dû être un peu moins cher. 40 euros. Nous dit qui? C'était qui? C'était l'Irtix. Oula, oulala. Attends, système de survie faible. Tiens. Voilà. Là, il n'y a rien du tout. Santé au maximum. Donc là, on a sauvegardé. Vous avez découvert ceci le 13/08/2016. Il y a un truc que j'ai pas ramassé, tiens. Oh, il y en a plein en fait. Rien n'a été trouvé. Ah, d'accord. Il y a plein de vides. Il y a plein de vides. Donc là, je peux re-sauvegarder quand je veux. Oui, en appuyant sur E. Donc on va juste aller voir ça parce que je suis très curieux avant de finir.
ce petit complexe. Onuelvan. Ah, ça représente l'union entre crènes, entre les mots, mais surtout pour les lieux, les dindons à la maison, les glouglous à la fête. Bah oui, c'est le mot de l'union. Voilà, le dindon à l'unisson. Comment je rentre? Je rentre par là. J'ai fait tout le tour en fait. C'est quoi ça? Ça. Ah, du plutonium. Et ça, c'est rien du tout. Très bien. Détruire. Ok, il y a la baston. Aïe, je peux pas recharger? Attends, faut que je fasse quoi pour recharger? Je sais pas ce qu'il faut faire pour recharger. Recharge, oui, je veux bien. Recharge, comment tu veux que je recharge? Je sais pas. F. Oh, j'ai appuyé sur un truc, ça recharge. Ok, j'ai gagné un truc. Recharge. R. Ah, parfait. Non, y'a rien, c'est en dessous. Attends, c'est le petit roux. Non, c'est bon. Il y a un autre truc qui me tire dessus, je crois. R. Oula, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Attendez, c'est quoi qui me tire dessus? C'est où? C'est là-bas. Oula, la souris qui décroche. C'est le bordel. Ok. Utilise la force. C'est quoi ça? Oula, ma souris qui décroche. Ah, faut recharger. Aïe, 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 aïe. Aïe, vite, vite, fuir. Attends, il y avait de la santé, je sais pas où. C'était pas là? Non, c'était pas là. Vite, vite, s'enfuir. Ah, au secours, au secours. Mince, il y en a des nouvelles. Ah non, ah non, mon dieu. Ah mon dieu, je sais pas quoi faire. Il est où mon vaisseau? Je voulais retourner dans le vaisseau, il est tout là-bas. Allez, 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 on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Non, dégâts critiques. Dégâts critiques. Vas-y, vas-y. Vite, 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 vite. Allez, vas-y. Vite, vite, va-t'en. Va-t'en. Voilà. Allez. Ils m'ont oublié, je suis sûr, ils m'ont oublié. Et du coup, je fais quoi, moi, maintenant? Ok. Alors, exo-combinaison. Tout va bien. Multi-outils. Tout a l'air d'aller bien. Ok. Je recharge tout, comme ça. Ça, je peux pas. Hein. Tuc, 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 tuc. Voilà. On est bon. Ok. Personne, tu l'as dit pour le dash mêlé plus de jetpack. Du coup, est-ce que vous croyez qu'ils m'ont oublié ou est-ce que... Il demande une grosse config, le jeu, je sais pas du tout.
Novice, une sentinelle détruite. Mais le truc, est-ce que vous croyez qu'ils m'attendent toujours ou... Ils m'ont oublié depuis le temps. Là, je suis full vie. C'est quoi le plan? On va sauvegarder. C'est bon. Ah, mais elle est full la porte. Pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, c'est là. Installation de production encore. Quelque part sous mes pieds, j'entends le grondement continu d'une machine automatisée. Je ne connais pas son rôle ni ses propriétaires. Un écran se met à clignoter et des lettres s'y inscrivent. Nada, nada, fuyez, Atlas, trouvez-nous, nada, nada. Puis une formule apparaît. Elle me permet de fabriquer ma propre antimatière. Prendre la formule de l'antimatière. Bah voilà, on est bon. Fort de ce savoir, je peux créer des cellules de distorsion. Le dernier élément de l'énigme. Dorénavant, je peux aller où bon me semble. Mais devrais-je plutôt suivre Atlas ou encore... D'accord, j'ai pas plus le temps. Il me manque vapeur à électrons et du zinc. Et du coup, c'est de nouveau mes amis. Ah bah c'est génial. Coucou copain. Ah bah oui. Bah, sans rancœur. Sans rancune. Les deux. Y'a pas de cadeau. Bon bref, j'ai l'antimatière, on est bien. On est bien. C'était la panique, mais ça s'est bien fini. Je peux donc re-sauvegarder. Et voilà, c'est sauvegardé. Et nous allons quitter, arrêter ce petit No Man's Sky. Voilà, devant ce magnifique vaisseau, avec une mort qui a failli arriver, mais qui n'est pas arrivée. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Allez hop. Bon, on a des trucs à nommer, mais on le fera une autre fois. Option. Revenir sur le bureau. Oui, ah oui, faut revenir sur le bureau, mais oui. Revenir en talk show. Si ça veut bien. Mais oui, ça veut bien. C'est magnifique. Hop. Petite mise à jour du sub-go. Bah en tout cas, ça m'a fait très très plaisir de vous retrouver après ces 3 jours. 3 jours sans live, je sais même pas si ça m'est arrivé depuis que je live, depuis le début. Mais bon, j'ai pas eu le choix malheureusement. J'espère récupérer mon œil très bientôt aussi parce que c'est un peu chiant cet œil qui ressemble à rien. On a l'impression que je me suis fait taper dessus. C'est maudit, voilà, on fait les combats et elle gagne toujours. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais les bisous, j'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai trouvé ça cool. J'avais entendu pas forcément des bonnes choses sur le jeu, mais il n'empêche qu'avec vous, ce soir, bah c'était sympa. Petite musique d'Elder Scrolls 4, Oblivion. Hop. Je vais aller manger un petit morceau, parce que j'ai faim. Et derrière, probablement, faire dodo. Et nous avons Yamato qui fait du PVP sauvage sur Dark Souls. Ça a l'air très très bien, ça. Ça a l'air très très bien. On va faire un petit coucou à Yamato. Hop, ça fait longtemps. Yamato Ephir, où es-tu ? Ah bah non. Je sais pas s'il est en... Ah si, c'est bon. Si, si, il est en train de jouer. Allez, ouf. Il gère bien Dark Souls. Il nous fait un peu de PVP apparemment. Hop. Donc, je mets 3 minutes de publicité pour ceux qui le veulent bien. Et après les publicités, je ferai un petit host de Yamato. Donc je mets les publicités en fin de live parce que j'en mets pas pendant le live. Donc vous pouvez couper le...
couper la musique, le temps des publicités, tout ça, tout ça. Et puis si vous restez jusqu'à le host de Yamato, bah faites-lui un bisou de ma part. Voilà, je vous laisse, je disparais. Je vous donne rendez-vous normalement demain, on est samedi. Je fais plus l'émission sur Gaming Live. Il y a les parents de Maudit qui s'en vont. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si je vois demain. Mais à mon avis, dimanche, je vous fais du Pokémon Go. Allez-vous des bisous. Je cache la webcam, je coupe le micro et je vous laisse en compagnie de 3 minutes de publicité. Ah mais non, c'est vrai. Ah mince, j'ai oublié un truc, attendez. Ajouter. C'est quoi comme musique ça déjà? Persona 3. Alors. Bonne nuit, les glou, glou. Alors est-ce que je mets un S à glou glou ou pas? Je sais pas, j'avais mis un texte avant, un texte, un S à glouglou avant, on se souvient plus. En italique ou pas? Ouais, on va tester en italique. Ok. Ok, hop, hop, hop. Ouais, à peu près, ça doit être bon. Et là, je disparais, normalement. Et ça laisse juste bonne nuit les glouglous. C'est parfait, c'est parfait. Les glouglous avec un S ou pas? Je sais pas. Hein. Des bisous les glouglous. Ah, mettre un S. Hein. Ouais, on va mettre un S. Allez, on met un S. Allez, zou. Hop, bonne nuit tout le monde. 3 minutes de publicité. Ensuite un petit os de Yamato. Et à demain ou après-demain si vous le voulez bien. Moi, je serai là. En tout cas, des bisous.